sur le pont d'Avignon. Voici un morceau où nous allons jouer la mélodie et le rythme. Alors, je vais commencer par le rythme. On utilise deux accords, le Do et le Sol. Ces deux accords, tu les connais, on les a joués dans d'autres exercices et on les a vus dans la méthode. Tu sais qu'ils sont un petit peu difficiles à enchaîner, donc prends le temps, essaye de bien jouer le rythme sur chaque accord, et puis ensuite, quand tu changes d'accord, prends le temps de replacer tes doigts pour faire le nouvel accord. À la main droite, le pouce va gratter la corde de La quand on fera l'accord Do, et ensuite les doigts vont gratter les autres cordes. Puis quand on sera sur l'accord Sol, le pouce grattera la corde de Mi grave, et les doigts, les autres cordes. Quand je dis les autres cordes, je parle surtout des cordes aiguës. Comme ça, le pouce est sur les cordes graves, et les doigts plutôt sur les cordes aiguës. Pas besoin d'être très précis, c'est en gros. Sauf pour le pouce, lui, il joue toujours bien une seule corde. C'est parti pour le rythme. Et la mélodie.